Bonsoir, Albaroc. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Hello, good people. Hello. Bonjour à toutes et à toutes. À toutes et à toutes. On vous présente notre petit dessert du menu de printemps. Hein, il vaut la peine. C'est une petite décoration sympathique. Ouais, il ressemble étrangement au menu d'été de l'année dernière. On l'a juste un petit peu adapté au printemps. Donc, avec un fruit de saison qui n'est plus la framboise, c'était la framboise l'année dernière. C'est framboise, abricot, etc. D'accord. Et là, on va le faire. Fraise rhubarbe. Fraise rhubarbe. Ah okay. Oh, oui, magnifique. Ici. De saison. Ici. Alors. Notre petite corbeille. Fleur. Ouais. Un petit parfait glacé aux fraises. Mousse glacée fraise. Mousse glacée fraise. Trempé chocolat blanc. Pulvérisé. Donc, beurre de cacao jaune. Hein, avec une rondelle de biscuit jocond au fond. On dépose ça ici. Donc, on retrouve l'effet de la fleur quand on vient de parler. La fleur de glace. La fleur de glace. Hein. Fleur de glace. Ici, on met notre petit papillon. Voilà. Là, on dispose nos petites fraises hein, qui sont bien juteuses, bien sucrées. En plus, c'est vrai qu'elles ont une belle couleur. Hein. Et qu'elles ont un parfum extraordinaire. Hein. Qualité, top qualité. Top qualité, top chef. top chef. Top Albaroc. Top Albaroc, top Sabrina. Okay. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la rhubarbe. Hein. Alors, la rhubarbe, est-ce qu'elle est crue? Non, elle est cuite, hein, c'est ça? Elle est mi-cuite. Mi-cuite. Elle est mi-cuite. Donc, aussi bon cru que cuit, qui l'est cru? Qui l'est cru, il est cru. Ah, on n'a pas le droit de citer le marque. Faute. On dira qu'on n'a rien dit. Hein. On n'a rien dit. Alors, juste pour dire, quand même, cette rhubarbe, on la coupe avec la peau. On l'émince avec la peau. Avec la peau, donc bien sûr, au préalable, laver. Exact, bien sûr. On la laisse dégorger une nuit. Avec le sucre, du sucre. Oui. Et le lendemain, on va pocher la rhubarbe dans ce jus-là. Dans ce jus. Sans trop la cuire. Mm-hmm. Hein, on la met plusieurs fois à une chaleur de 60-70 degrés. Mais surtout pas à ébullition, sinon ça devient de la purée. Ici, j'ai mon coulis. Donc un coulis à. À la rhubarbe. À la rhubarbe. Hein. Mm. La rencontre de la fraise et de la rhubarbe, c'est vraiment un mariage d'amour. Un mariage qui dure une éternité. Exactement. Voilà. Voilà. La petite touche d'amour. La nature. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On fait que imiter la nature. Voilà. Regardez-moi cet ensemble. Et au finish, on met nos petits pétales de violette, car la violette, c'est aussi le printemps. Hein. Mmh. Et violette, fraise, rhubarbe, c'est aussi un mariage. Voilà, mais c'est un super. Mariage à trois. Ah, ouais. Voilà, ça devient. Sabrina. Hein, quoi? Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Rien. Voilà. Ah, voilà, magnifique. Ce dessert-là, vraiment une création de Albaroc, bien sûr. Oui, avec la complicité de Sabrina, bien sûr. Bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr.